Mercredi 13 mars 2024, Richard Boni Ourou, accueilli en pompe dans la cité impériale de Niki. Le président du mouvement libéral est allé présenter ses civilités au premier ministre Sinadou Wirou et à l'empereur Sirotoru Tukosari environ un an après son intronisation. Dans la Donga, nous sommes les seuls Wirou pratiquement. Notre origine est d'ici. Donc je suis ici chez moi. Je suis venu voir l'empereur et le premier ministre pour leur souhaiter bon carême et profiter pour recevoir les bénédictions du palais royal. Ce n'est pas une vidéo surprise en tant que telle. Je suis en contact permanent et continu avec le royaume. Le Sinaboko, à travers la voix de son premier ministre, s'est réjoui de cette visite et a encouragé son hôte à continuer les actions qu'il mène à travers tout le pays. À la cour impériale, nous savons que Richard Boni existait, parce que nous recevons ses œuvres à la cour impériale. Mais aujourd'hui, il est venu en personne devant Sirotoru Tukosari. Ça a été toute une joie. C'est toute une joie. C'est l'occasion pour qu'ils se connaissent. Alors, du fait qu'il a souhaité ce qui est de la culture à ne pas abandonner. Et lui, il est prêt à appuyer, à soutenir la culture de notre pays. Sans notre culture, on n'est rien. Donc tout ça là, ça nous ragaillardit, ça nous renforce, et ça nous permet de sentir effectivement qu'on a les fils du pays qui soutiennent encore la tradition. Et l'empereur lui a souhaité la bonne santé et la longévité et du succès dans toutes ses occupations. Il faut noter que le président du mouvement libéral s'est également rendu chez la reine Meignon Kogi. Les jeunes libéraux de Niki et des conducteurs de taxi-moto ont également échangé avec le président de la Fondation Terrien-Terrienne.